Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec une bonne entrée maritime, un temps qui est couvert à timidement variable avec des averses, une température extérieure un peu fraîche à 15 degrés, une température de l'eau à 18 degrés, une marée qui est en train de finir de monter. Le plan eau est à 7h55 avec des coefficients de 78. Ça bouge, ça secoue, et oui, il y a du vent. Le vent, il est ouest-sud-ouest. Il y a 5 à 6 beaufort, de la moutonnade du large jusqu'au bord et la houle de l'ex-tempête tropicale Henri, une houle qui est longue avec en seconde période orientée ouest-sud-ouest à ouest, qui est multiplique et agitée à la hausse. Déferlement régulier dans les 2 mètres à 2,50 mètres, sur les séries dans les 2,50 à 3 mètres. Pas évident d'évaluer la taille, mais tenir ça change pas grand-chose, c'est pas praticable. En plus, ça monte très noir du large. Ça va pas s'arranger cette histoire. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui baisse, du vent qui se calme. Mais c'est pas gagné le surf aujourd'hui, peut-être sur la toute fin de journée, pleine marée haute avec gros coef, un vent un peu plus faible, des vagues un peu moins agitées. Pas certain. La bouard cache en état la baisse, 3,90 m et 8 secondes. À 9h, 2,50 m à 3 m, ou ouest-sud-ouest à ouest, en seconde de période, vent ouest-sud-ouest Saint-Cybeaufort, à 13h, 2,50 m, ou ouest-sud-ouest à ouest, 11 secondes de période, vent d'ouest à 4 Beaufort, et à 17h, 2 m, 2,50 m, ou ouest-sud-ouest à ouest. En seconde période, vent d'ouest qui se calme, 3 à 4 Beaufort, à voir la fin de journée. Mais c'est pas gagné, je me répète. Je me répète, tout à l'heure, à 8h20. Merci. We'll be right back.